Hey! Oui, j'ai fait quelque chose à mes cheveux en fait, j'ai coupé les pointes. Bon, alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et je suis très excitée parce que mon petit doigt me dit que... Eh, moi j'ai rien dit alors tu me fous la paix, wesh, hein! What? Mon petit doigt m'a dit par-ci, mon petit doigt m'a dit par-là, c'est bon, j'en ai ras-le-bol, et d'ailleurs je suis pas le seul. Aujourd'hui on va tous te dire nos quatre vérités. C'est quoi ce délire? Ouais, pour commencer, arrête les talons s'il te plaît. Bien, je pense que j'ai consommé un aliment périmé qui me donne des hallucinations. La 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 la. De ce fait, je vais communiquer avec mes pieds. Ça nous fait trop mal, bordel. Ouais, si tu continues, on te fera des ongles incarnés. Ah mais ça va, oui, j'en mets pas souvent des talons. Et puis ça aurait pu être bien pire. J'aurais pu porter des ballerines, par exemple. Ah! Le concentré de transpiration. L'angoisse. Tu passes ton temps à nous arracher les poils. Mais nous, on adore ça. Tu peux pas lutter. T'arraches un poil, il leur pousse deux en moins de 3 jours. Wow, 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 on se calme, les tibias. On peut négocier, non? On s'en balèque. On est pour le port de la fourrure humaine. D'ailleurs, avec tes aisselles et ton maillot, on a créé une mafia. On lâchera pas le bulbe. Ok, vous l'aurez voulu. Je vais investir dans l'épilation laser. Only God can judge me, that right? Enfoiré! Hey, on a une petite blague pour apaiser les tensions. Qu'est-ce qui achète des crèmes anti-cellulite et qui croit que ça marche vraiment? C'est Natou! J'en ai mal au capiton! Oh, c'est pas gentil! Regardez, nous, les crèmes amincissantes, ça nous a bien raffermis! On dirait les fesses de billes enflées ou de chats qui gras! LOL! Au fait, tu sais que faire 20 abdos tous les 2 mois, c'est pas la meilleure façon de me muscler. T'en es consciente de ça? Oui, non, mais en vrai, je m'en fous d'avoir des abdos. C'est juste mes petites poignées d'amour qui m'énervent. Bah, t'as qu'à dire que quand tu t'assois et que ça déborde un peu de ton jean, bah, c'est mignon, ça fait comme un petit muffin. Ouais, c'est pas faux en fait. Je suis comme un petit gâteau. Hey, tu peux m'expliquer pourquoi c'est toujours moi qui porte les sacs à main? J'exige une redistribution des tâches. Bah, je sais pas, moi, je suis droitière, alors je mets mon sac à main comme ça. Bah, c'est logique en même temps. Nickel, t'es toujours là pour m'épauler, ça fait plaisir. Hey, Paul! Jeu de mots. Tu sais que c'est quand même toujours mieux que de porter ces vieilles culottes moches. Je m'en fous, elles sont confortables. Tiens, vu qu'on peut enfin se parler entre deux fesses, arrête de twerker. C'est vraiment moche. On dirait un gnou qui vient de naître et qui essaie de se tenir droit sur ses pattes. I'm a boss ass bitch, 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 bitch. C'est vrai que t'es plutôt gracieuse comme femme, hein. Des fois on dirait Quasimodo qui consulte ses mails. Arrête de te voûter, j'en ai plein le dos. Ok, donc personne n'est content ici en fait, hein. Non, pour moi tout va bien. Nickel le jeu de mots. Quelqu'un d'autre veut faire une blague nulle? Je suis en claque. Quelqu'un veut de mon huile? De l'huile de coude? Ah, j'ai le bras long. Salut, t'es russe? Tu me fais craquer. Eh bien, on prend un selfie. Oh, vous enchaînez les bides. Il y a beaucoup de courant d'air dans le couloir. Oh, elle tombe comme un cheveu sur la soupe cette blague. Et vous? Que tous les membres reprennent leur sérieux. Nous aussi, on a quelque chose à dire. Est-ce qu'il serait possible que notre barbu à lunettes arrête de nous tripoter tout le temps en nous parlant de manière chelou? Oh, ça va, c'est mon mec, il est chou. Faites pas vos seins ni touche. Oh non. Oh non, vous m'avez contaminé avec vos jeux de mots nuls. Eh, plus sérieusement, là, c'est la première fois qu'on peut tous se parler, alors vous avez pas un truc plus important à me dire? Bah, on est content que t'aies accepté ton corps et que t'aies arrêté de faire tout plein de régimes bidons. C'est plutôt cool. Bon, des fois, tu craques et t'achètes des crèmes miracles qui servent à rien, mais c'est pas grave. On te pardonne. Oh, si, c'est chou. Oh, vous êtes adorables, vraiment, ça me touche, c'est trop... Oui, tu fais quoi, là? En fait, je me réconcilie avec mon corps. Oui, donc en fait, là, tu parles à ton corps. Ouais, c'est un peu bizarre, mais ouais. Tu peux essayer? Ouais, vas-y, carrément, hein. Et ben alors? Et ben alors, c'est qui, ça? C'est un papa? Hein, les deux petits ballons? Je vous apprécie, comment ça va? Ah, ça va bien! Oh, conviviaux, vous êtes très sympathiques. Hey, on est les fesses de Nicki Minaj! Si cette vidéo t'a plu, abonne-toi!